help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay because I feel it good. I feel it good. Oh, now I feel it good. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Alors seulement hier c'était l'anniversaire de Clément. Le 22 juillet ce sera sur le jeu. Non, c'est fait quoi. Non, c'est fait. Alors c'est le groupe l'année dernière, c'était en fait. Non, non. Donc l'anniversaire l'année dernière. Là c'est marrant. Il y a des images. Donc à côté de ce jour minuit, vos deux camarades, c'est le groupe éventaire à Evian. Donc ils sont encore avec vous ces deux jours, mais c'est leurs deux derniers jours en qualité de JSP. Encore qu'aujourd'hui, ils ne sont plus parce qu'administrativement, ils sont pompiers volontaires à Evian et tous les membres. Voilà. Voilà. C'est moi qui vais devoir gérer. Hein? Merci ma fille. Merci pour le cadeau. Hein? Ouais, ouais, non, quel cadeau. J'ai enfin réussi à m'en débarrasser, c'est bon. Non, pas du tout. Ah, il en a un qui a gardé. Il y a encore Max qui prochainement. J'aurais décidé. En septembre. Fin octobre. Fin octobre. Ah oui, là, il y a 7 ans le bâti. Donc Max au mois d'octobre et après Éloane également. Oh non. D'accord. Ok. Bon. I'm back where I belong. Yeah, I know. Thank you.
qui sont aujourd'hui à Montlhéron, sur un site de la Défense où est stationné le 121e régiment du train. Et ces véhicules ont été donc stationnés dans des hangars pour l'instant, en prévision d'un très grand projet qui verra jour et sera inauguré l'année prochaine, en 2019. C'est un pôle patrimoine à Saint-Ouen. Hein, alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais on est sur le cadre du Grand Paris, il y a les Jeux Olympiques. Saint-Ouen est une ville qui va être amenée à augmenter, à voir sa population augmenter. Enfin, je parle de beaucoup de choses. On a une emprise à Saint-Ouen. Et on a déjà, via l'Association des Amis du Musée des Pompiers de Paris, une autorisation d'occupation temporaire. Et nous allons pouvoir déployer sur plus de 1050 mètres carrés cette présentation des véhicules, des très très beaux véhicules de la collection. Et je vous invite bien entendu, à revenir l'année prochaine. En tout cas, on a là une pompe à bras. Alors la pompe à bras, c'est un matériel intéressant. Vous avez regardez l'état de ces pièces qui portent les stigmates de ce qu'ont été ces explosions, respectivement au quai de la Tournelle en 1954, deux pompiers de Paris morts au feu, et rue d'Oslo en 1958, mai 1958, trois morts parmi les pompiers, plusieurs morts parmi les civils, 14 décès au total. C'est l'explosion d'un garage aérien rue d'Oslo. Et regardez l'état des casques des pompiers qui sont intervenus, il y a eu un effondrement. Certains ont été totalement écrasés par l'effondrement. On a ce mouvement donné aux chevaux qui est absolument exceptionnel et le détail est tout à fait remarquable. Ça, c'est véritablement, j'allais dire, l'équipement du pompier de l'époque. On est près des Halles. Alors, vous avez remarqué autour de vous, là, il y a des mannequins qui vous montrent l'évolution de la tenue de feu chez le pompier. Mais on retrouve ça ici généralement. On met au point certains éléments, casque, cible, uniforme, équipe de pompiers, qui est très utile à trouver chez les pompiers civils. On a là un pompier tenu nouvel. On est sous la pompier. Là, on a un pompier dans notre degré, avec cette lettre de. Un effet tout à fait nouveau. Et puis ce qui est intéressant, au-delà du casque en laiton, c'est l'appareil respiratoire isolant des pompes, on l'appelle l'appareil respiratoire autonome de l'époque, qui a été mis et conçu par un officier ingénieur, le lieutenant Vangino, avec le constructeur Mondet. Là, il est en veston de peau. Il y aura des changements, et entre autres sur le casque, hein, c'est là au milieu des années 80, 85 exactement, on met en service le casque F1 qui est en vitrine et que vous connaissez tous.